Avec nous sur motoverte.com, Yanis Hirsuti, le vainqueur de la finale SX2. Yanis, ça a été une finale assez incroyable. Ouais, c'est incroyable, j'ai fait le whole shot, donc c'est faut le signaler. Thomas a réussi à me passer, j'ai fait une course à une certaine distance derrière lui et on avait une vitesse quasi similaire, donc c'était dur pour revenir. Et puis dans les derniers tours, j'ai réussi à grappiller un peu de terrain dans les hoops. Il a commis quelques erreurs et voilà, j'en ai profité pour revenir. Les retardataires dans le dernier tour m'ont aussi pas mal aidé. Donc voilà, dans l'avant-dernier virage, ben, il a essayé de fermer la porte et j'étais là, je voulais à tout prix gagner, on s'est touché, on est parti à la faute tous les deux. Je me suis relevé plus vite que lui et puis j'ai pu gagner. Donc voilà, c'est peut-être pas le finish qu'on veut toujours voir. Mais bon voilà, j'ai rien lâché, même après avoir chuté. Et voilà, j'espère que demain ça se passera mieux que ça. Tu y as cru toute la finale? Est-ce qu'il y avait quand même un écart qui s'est créé, qui était resté quand même assez stable? T'as rien lâché, tu y as vraiment cru jusqu'au bout? Ouais, je sais que ben, je connais mon physique. Je connais aussi Thomas, ça fait quelques années qu'on se bat ensemble. Et puis voilà, j'ai fait ma course, j'ai essayé de comprendre en fait où il allait plus vite que moi et je savais que dans les derniers tours tout pouvait se jouer. Et puis voilà, comme d'habitude, dans les derniers tours, ben, j'ai tout donné et j'ai réussi à l'emporter. Donc il reste une soirée demain, il va falloir s'attendre à une revanche, tu t'y prépares? Ouais, oui, il m'a annoncé la couleur, mais il n'y a pas de souci, je serai toujours là. Et bien voilà, Yanis Hirsuti, vainqueur de la finale SX2, la revanche demain à l'U Arena sur motoverte.com. À bientôt.